C'est notre dernière journée aujourd'hui. On va faire un espèce de retour sur la transaction, le travail qu'on fait à l'international. On va essayer de combiner un peu tout ce qu'on a vu ensemble, puis d'amalgamer ça dans un tout, puis on va essayer d'amener ça dans comment on intègre ça dans votre entreprise. Comment ça s'intègre? Comment ça prend place au sein de l'organisation? Que ce soit une toute petite organisation avec une personne qui fait tout, que ce soit quelque chose de plus grand avec plus de personnes, mais le travail qu'il y a à faire, comme ce qu'on avait vu lorsqu'on avait parlé des sociétés, des maisons de commerce, les trading houses, c'est l'intégration d'une panoplie qui fait qu'on est utile et qu'on est compétent dans ce qu'on fait. Alors, je veux revenir en arrière et vous ramener sur la transaction à l'international. Vous pouvez peut-être sur votre écran l'agrandir un peu. On va le décortiquer en trois parties. Attendez un peu que je vérifie mon affaire ici. Voilà. On va le décortiquer en trois parties. On va revenir donc sur nos aspects financiers, comme ça. Puis on va regarder un peu comment ça fonctionne. On va revenir là-dessus. On va parler de la production, l'usine, l'entreprise. Puis on va parler du volet transport. Pour qu'on puisse voir, étaler devant soi ces différents modèles et comment ils se complètent l'un et l'autre. Parce qu'il n'y a rien de séparé là-dedans. Tout est ensemble. OK? Alors, normalement, lorsqu'on fait le travail qu'on a appris à faire, c'est-à-dire depuis le début, on a appris à s'auto-diagnostiquer, on a espoir qu'on est capable de réaliser une planification sur papier pour mettre ses idées claires, et on a choisi un marché en particulier où on va aller porter notre produit ou notre service. À partir du moment où on a choisi ce marché-là, on prend les moyens pour l'atteindre. Est-ce qu'on va l'atteindre par courrier électronique, par téléphone, en prenant l'avion, en engageant quelqu'un, en participant à une mission qui nous amène à une foire commerciale, en faisant de l'annonce, de la pub avec un site web, mille et une façons pour intéresser un client étranger à acheter un contenant, une boîte, une caisse, une palette ou un container de notre produit ou une heure, une journée, un mois, un an de notre service. À partir du moment où, quand je suis rendu là et que j'ai quelqu'un qui veut acheter mon produit, j'ai donc mon point de départ pour ma transaction à l'international, c'est mon bon de commande qui est ici. Ça, c'est mon point numéro un. C'est-à-dire que j'ai négocié, j'ai fait une offre, on m'a fait une contre-offre, j'ai fait une contre-contre-offre. Et là, j'arrive avec un bon de commande, le purchase order que je reçois de mon client, selon les normes qu'on a discutées et écrit selon le type de contrat qu'on veut réaliser avec lui. À partir du moment où mon bon de commande rentre à l'entreprise, je vais en déterminer tout de suite le niveau d'urgence. Est-ce que je dois produire la semaine prochaine pour le client, ça va attendre un peu plus tard. Est-ce que j'ai des stocks disponibles? Est-ce que mes stocks disponibles sont amplement suffisants? C'est ce que j'entends par niveau d'urgence. Et, dépendamment du marché qui sollicite mon produit et ou mon service, il faut que je comprenne d'ores et déjà le type de documents qui seront requis. Est-ce que j'ai un certificat d'origine particulier? Est-ce que j'ai besoin d'une facture consulaire? Est-ce que j'ai besoin des éléments comme ceux-là? Si je vends en Arabie Saoudite, j'ai besoin d'une facture approuvée, j'ai un certificat d'origine qui est approuvé par l'ambassade, et j'ai besoin aussi de prouver que mon conteneur ne va pas transiter par Israël ou par une compagnie israélienne comme Zim. Je dois approuver ça. Okay? Bon, j'ai mes documents. Et là, comme avant de faire ma proposition,
J'ai contacté mon transitaire. Je lui ai demandé de me faire des propositions de prix. Et à partir de là, lorsque ma commande rentre, je peux rappeler mon transitaire et lui dire, transitaire, j'ai ma commande. On va donc réfléchir à expédier dans un délai de temps normé par mon bon de commande. Évidemment, à ce stade-là, ou avant la négociation, je vais avoir vérifié la cote de crédit de mon acheteur ou sa solvabilité. Je vous ai dit qu'on peut se servir de, si on est client chez EDC, on peut aller électroniquement comme client sur la plateforme de Vérif'Export et je peux regarder des fois en 4 minutes, je vais savoir si mon client est solvable ou non. D'ailleurs, je suis ici à Tunis, je travaille pour Pragma Corporation de Washington. Et c'est un programme de USAID qui finance le tout. Mais je suis un client Exportation Développement Canada. J'ai un mandat à l'étranger. Même si je suis rassuré que je vais être payé parce que c'est le gouvernement américain, je vous ai dit, on n'assure pas la maison parce qu'elle va brûler. On assure pour assurer son banquier. Alors, je suis allé sur ma plateforme de DC et j'ai demandé, Pragma Corporation, est-ce que... je peux prendre un risque financier de 5 000 $, par exemple, 50 000. Alors, la réponse en 3 minutes est oui. Alors, j'ai demandé à ma police d'ajouter Pragma Corporation comme risque potentiel. Et à partir du mois prochain, quand je vais faire ma facture du mois, ben, je vais donner à EDC le montant que j'ai facturé et je vais payer la prime qui vient avec ça. Je gère mon risque. Je risque rien. Mais je ne vais pas assurer parce que je sais que c'est un mauvais client. Je vais assurer parce que j'ai besoin de mes outils à la banque pour peut-être avoir un peu facilité de cash flow dans la réalisation de ce projet-là ou un autre. Okay? C'est pour ça qu'aujourd'hui, on revient sur beaucoup de choses, mais on l'assemble dans la transaction internationale au complet. Ça rentre là-dedans. Donc, l'acceptation du crédit de mon client. Le choix du mode de transport et la vérification du coût qui avait été faite au début, je vais la confirmer, bien sûr. Et bien sûr, la couverture d'assurance pour l'expédition de mon produit, mon service à l'étranger, ainsi que le coût que ça représente. OK, cet élément-là est fait. Vous voyez que l'usine, le transit, la finance, ici j'ai transit, finance, tout le monde travaille ensemble. OK. À partir de ce moment-là, est-ce que j'ai des besoins financiers nécessaires, supplémentaires pour réaliser mon contrat? Peut-être que oui, peut-être que non. Si oui, est-ce que mon banquier est ouvert à appuyer ce genre de choses? Évidemment, si mon recevable, ma facture n'est pas faite, là. Si mon recevable est assurable, ben, je traite ma facture tout de suite, si je peux. Okay? Si les conditions du contrat que j'ai négocié le permettent. Mais si je peux, mon produit n'est pas encore manufacturé, je ne peux pas vraiment facturer avant mon expédition. Alors, il y a des fois un besoin financier à boucler. Peut-être qu'à ce moment-là, si ma banque ne peut pas le prendre, si je n'ai pas mon recevable assuré que je peux escompter à ce stade-là, Exportation Développement Canada, par exemple, et même la BDC, offre certains outils qui permettent le financement pour la production pour un contrat signé. Donc, c'est un peu avant la facture. Je peux avoir un apport financier à condition que j'ai un contrat et que je sois un client chez EDC, que j'assure mes recevables, pas quand ça va foirer, mais tout le temps. Et dans ce contexte-là, c'est peut-être pas la première fois, mais après un certain temps, j'ai un contrat. J'aurais besoin d'un support financier, d'une garantie financière à offrir à mon institution financière pour qu'elle m'avance des fonds pour que je puisse acheter les intrants pour livrer cette commande. Parce que la banque commande à la Chine, ça ne la rassure pas beaucoup. Puis à ce stade-là, ben, à moins que j'aie une lettre, même si j'ai une lettre de crédit, la lettre de crédit est un outil qui va rentrer en fonction pour me payer une fois que mon matériel est prêt, qu'il a été expédié. Selon les conditions. Alors, la banque, elle ne va pas vous escompter une lettre de crédit parce que vous avez un contrat et qu'il y a une lettre de crédit. Pas du tout. Mais non, elle ne fait pas ça. Alors, je demanderai à EDC de m'octroyer une garantie pour le financement d'un contrat qu'elle accepte.
Ça veut dire que le client est un client acceptable, ils ont vérifié, ils endossent le risque, vous payez une prime pour ça, mais vous donnez la garantie à la banque, et la banque vous allonge, vous augmente la marge de crédit que vous avez déjà pour la réalisation de ce contrat-là. Une fois le contrat terminé, on doit rembourser tout le monde, on passe à l'autre chose. Alors, besoin financier, je dois comprendre ça. Je vais choisir mon régime de production par rapport à ça. Et je peux émettre à ce stade-là ce que j'appelle une facture pro forma. Ce n'est pas la facture officielle, c'est ce que la facture va avoir l'air. Ma facture, si j'écris facture pro forma dessus, je ne peux pas l'escompter, je ne peux pas la valiser, je ne peux pas la céder à un tiers, je ne peux rien faire avec ça. Sauf qu'elle va servir à mon client pour pouvoir préparer sa lettre de crédit. À ça qu'elle sert. Donc, c'est un document clair. Ma facture va ressembler à ça à 100% ou à 98%. Peut-être qu'il va y avoir une légère variation sur la quantité. D'ailleurs, lorsqu'on fait émettre une lettre de crédit, on ne dira jamais 2750 caisses de 12 pots, mais on va dire 2750 caisses, parenthèse, plus ou moins 10% de 12 pots de verre de 200 grammes, étiquette privée, avec un seau, avec un capuchon, contenant chacune 200 grammes net de café instantané. Okay? Mais le plus ou moins 10% est très important ici. Ça veut dire que je peux avoir une variante 2750, 2740, 2730, 2785 cartons dans mon container, puis ma lettre est valide. Si j'ai mis 2750, puis j'en ai 2749, j'ai un problème. Si j'en ai 2751, j'ai encore un problème. Je vous ai expliqué plutôt que la banque, elle n'est pas là pour réfléchir par rapport à ça. C'est 2750, 2750. C'est pour ça que j'écris toujours un plus ou moins 10%. Et dans la valeur monétaire de la lettre, je peux ajouter un plus ou moins 10%. Comme ça, il peut y avoir une fluctuation du montant, mais le client, lorsqu'il va émettre la lettre, il va être obligé d'émettre la lettre plus 10%. Il faut qu'il soit d'accord. Il faut que tout le monde soit d'accord. M'arrêter n'importe quand. Hein? Tu vas trop vite, tu vas pas assez vite, c'est pas clair. Il faut me le dire. C'est crypti, hein? Je vais prendre les lunettes. Alors oui, le client accepte l'offre. La banque émettrice, donc la banque de l'acheteur, émet la lettre de crédit, n'est-ce pas? Alors, où est-ce qu'on est? On est confirmation de la... Alors, offre ferme, confirmation de la commande, émission de la lettre de crédit. La lettre va venir vers ma banque, à moi, n'est-ce pas? Et la lettre, elle est ouverte officiellement. Donc, à partir de ce moment-là, lorsque je reçois cette lettre de crédit, je suis assuré que les fonds sont mis de côté pour la production que je dois faire. Et là, normalement, je commence la production ou l'emballage ou l'impression des étiquettes pour ce client-là. Je pourrais commencer avant, bien sûr, mais de manière sage et posée. Tant que l'argent n'est pas sécurisé, ben, j'aurais une petite gêne. Parce que je pourrais commencer quelque chose et la lettre n'arrive jamais. Alors, si j'achète des pots, si j'achète des boîtes, si j'achète des étiquettes, si j'achète des intrants, et que pour une raison ou pour une autre, le client en cours de route ici, à ce stade-là, ça change d'idée, il n'ouvre pas sa lettre, mais je me ramasse avec des étiquettes, des boîtes, des pots, des contenants, des intrants que j'ai achetés qui ne serviront pas. Alors, j'attends de manière sage que la lettre de crédit soit en place, selon les critères qui ont été convenus. Je dois donc vérifier, revérifier et revérifier pour m'en assurer. À partir du moment où je fais la production, je sais quand mon produit va être disponible et va sortir de l'usine. Je vais réserver mon espace sur le navire. Ça, vous ne le voyez pas parce que souvent, c'est le transitaire qui fait ce genre de choses-là. Et quand on travaille en maison de commerce, je sais que mon container va aller sur le Zeemendever 237, voyage 221. Je vais savoir ça, puis je vais savoir à quelle date il part. Puis j'ai un espace de réservé dans le bateau à ce moment-là. Il y a un espace prévu pour mon container dans le bateau. À ce voyage-là, à cette date-là, à cette semaine-là précise. Okay? J'ai un espace réservé.
pas comme si je vais au métro, puis je rentre dans la station, puis que j'attends la prochaine rame. Je sais que je prends la rame de 16h22, puis je m'installe dans le troisième wagon. Alors, c'est exactement la même chose dans le transport maritime. Vous ne le voyez pas, mais le transitaire réserve un espace. Vous n'êtes peut-être pas vraiment au courant de ces détails-là, mais il y a un espace prévu. Normalement, dans ma lettre de crédit, je peux être assez précis pour, si c'est nécessaire, pour dire que je vais être sur le Zim Endeavour en partance de Montréal, le voyage 226. C'est aussi clair que ça, de manière stratégique. Alors, quand on est des entreprises qui font de nombreuses expéditions toutes les semaines, je vous ai parlé des ailes de poulet, ils vendent 10, 20, 30, 40 containers par jour. Ben ça, c'est de la documentation, puis c'est toute une équipe spécialisée. Ben, je sais, ils savent toujours sur quel navire les containers vont embarquer, quelle date ça part, quelle date ça arrive, c'est clair. Et de plus en plus aujourd'hui, avec des puces RFID, ils sont capables de suivre en temps réel où se trouve le container sur l'océan le jour où il va arriver, tout ça. Okay? Alors, confirmation du navire, ma production, je vais donc préparer mon emballage, faire mes factures commerciales, ma liste de colissage, mes certificats de qualité, d'inspection, etc. Le transitaire va me préparer mes certificats d'assurance et va m'envoyer le container pour le chargement à l'usine. On va charger le container, les documents export devraient être complétés et le tout va s'en aller dans les mains du transitaire qui va émettre les derniers documents qui manquent, le certificat d'origine, va livrer le container au port et va apposer les scellés soit à l'usine, idéalement, ou au port, s'il y a une inspection qui doit être faite. À partir du moment où tout est complété, que la SGS a inspecté le container, on y met un sceau numéroté qui ne peut pas être dupliqué. Il y a une industrie particulière pour les sceaux de container. Si on arrive à l'autre bout et que le sceau est endommagé, que ce n'est pas le même numéro, que c'est un autre sceau, il y a des réclamations d'assurance. L'assurance, il va falloir trouver où le sceau a été brisé. C'est complexe. Okay? Alors, la posée des scellés est importante parce qu'à ce moment-là, ce qui a été vérifié qui est dans le container est normalement ce qui va arriver à la destination parce qu'on a barré le container. D'habitude, on met des scellés et même on met des cadenas et on envoie les clés. On peut aussi faire ça. Okay? Alors, on est rendu 4, l'expédition. Alors, lorsqu'on fait l'expédition, le container est chargé dans le bateau, vous vous souvenez, et le capitaine signe, c'est de manière électronique aujourd'hui, là, mais quand même, le capitaine signe le connaissement maritime. Et le connaissement maritime, vous vous souvenez, c'est le document maître, c'est celui qui donne la valeur, c'est le reçu de la marchandise, c'est le seul document négociable. C'est le connaissement maritime. Ça n'existe pas en connaissement pour le camion, en connaissement pour l'avion. Non, 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 non. Juste en connaissement maritime. Alors, le capitaine met sa signature, il charge le container le navire et il quitte pour l'étranger. À ce moment-là, tous nos documents s'en vont à la banque pour approbation et collection. Pendant que le navire est sur l'eau. Okay? Quand mon arrêt, mon arrêt, mon arrêt, bon, voyons. Quand mon arrêt, mon navire, excusez-moi, arrive à destination, on va opérer le déchargement, le dédouanement et l'inspection. Évidemment, les documents sont devenus disponibles parce que la banque les a remis au transitaire pour permettre le déchargement. Pas de documents, pas de container. Alors, il faut tout que le processus bancaire soit réglé. Les documents seront remis seulement lorsque la banque les a approuvés au client. À partir de là, il peut aller chercher. Il ne faut pas avoir des délais supplémentaires. Hop, voilà. À partir de ce moment-là, si les documents sont acceptés, ben, l'argent va revenir chez vous. N'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle la compensation. Alors, approbation des documents à la banque émettrice, envoi des documents, hop, compensation, l'argent revient. La marchandise est reçue par le client et l'acheteur jubile de joie et de bonheur.
et il attend avec impatience de pouvoir répéter l'opération. Ça, c'est l'opération au complet sur laquelle on a travaillé pendant tous ces mois-là. Oui. Des questions? André, Bobby, Denis, Vincent, je ne suis pas sûr. Voilà. Bon. Alors, je voulais vous illustrer la transaction comme ça. Merci, André. Je voulais vous illustrer la transaction comme ça pour que vous compreniez bien l'essence. Maintenant, je vais vous amener à un autre niveau. Et ça va passer par une vidéo. Je vais vous amener à une vidéo publiée par Exportation Développement Canada qui va décortiquer, c'est très dense, là. Il y en a pour 20 quelques minutes, là, 22, 23, 24 minutes, qui va décortiquer tout l'ensemble de la transaction du point de vue financier. Alors, le vidéo que je vous donne, que vous allez écouter maintenant, moi, je l'ai hébergé dans mon YouTube à moi. Il est toujours disponible aussi chez Exportation Développement Canada dans leur YouTube. Vous allez trouver ça là-dedans ou par le site. Il y a toute une sélection de vidéos. On trouve ça là. Si vous voulez le revoir. C'est un document vidéo complet, bien structuré, qui va vous faire comprendre les outils, les apports, le financement, la gestion, le risque étranger, tous ces éléments-là. C'est un bel outil que je ne pouvais pas vous présenter avant aujourd'hui, avant qu'on soit prêt à décortiquer la transaction. Alors, on vient de le faire d'une manière graphique, on va le faire d'une manière vidéo. Alors, je vous amène à ce lien. Non, c'est pas ça. Ce lien. Voilà. Alors, je vous laisse à ce vidéo pendant les 20 quelques minutes. Quand c'est fini, vous me donnez un pouce et je poursuis avec vous. C'est bon? Je sais pas. Okay. Alors, je veux revenir un peu. On arrive à la fin, là. On est en train de terminer ce qu'on est en train de faire. Je veux qu'on comprenne l'organisation, ce qu'on fait avec ça. Évidemment, pour la plupart d'entre vous, vous êtes comme un peu seul à tout gérer, à tout faire au sein de l'organisation. On ne va pas s'engager aujourd'hui un directeur de production, un directeur de com, puis un directeur des exportations. Ce n'est pas le but de l'exercice. Mais ce qu'on veut, par contre, c'est de bien comprendre qu'est-ce qui rentre dans ce que je veux faire et qu'est-ce qui englobe un peu tout ça. Alors, comment est structuré mon service à l'interne des affaires internationales? Parce que j'ai des compétences que moi j'ai à l'interne et j'ai des compétences que je vais chercher à l'extérieur pour m'appuyer. Il n'y a personne qui peut prétendre autour de la table aujourd'hui à avoir l'ensemble des compétences dans son travail, dans son usine. Ce que j'essaie de dire par là, moi, si vous me demandez les compétences par rapport à la production d'usine, j'y connais. C'est pas mon domaine, j'en connais très peu. Je ne peux pas me targuer d'être un connaissant là-dedans. Et vous, à l'inverse, ben, vous avez une bonne compétence sur votre production, votre usine, le fonctionnement, un marché local ou régional que vous maîtrisez relativement bien, mais un marché international nécessite d'autres choses. On a vu ça dans les dernières semaines. Alors, il faut comprendre qu'est-ce que je garde pour moi et qu'est-ce que je vais déléguer à l'extérieur. Déléguer à l'extérieur, ça représente une certaine confiance que je dois donner. Ça représente aussi un coût auquel je dois faire face, qui doit figurer dans mon calcul de coût pour que je puisse le facturer à mon client quelque part. Donc, lorsque je veux m'en aller pour avoir mon accès à mon client international, au sein de l'entreprise, je vais avoir ma direction export, si ce qu'on fait, c'est ça. Et si j'ai des achats, je vais avoir ma direction import. Encore une fois, si j'ai une grande entreprise, si je suis chez ArcelorMittal, ben j'ai une direction export avec 4 personnes qui travaillent, puis une direction import avec une personne qui travaille. Parce qu'on amène des choses avec lesquelles on va travailler et on exporte certains produits, transformés ou non. Okay? Alors, dans une entreprise, comme la plupart de vos entreprises, ben ça reste probablement
le président, directeur général et fondateur qui fait tout ça lui-même. Mais on veut le décortiquer pour comprendre ces différents éléments-là. Et bien sûr, dans un service d'affaires à l'international, dans une entreprise plus grande, tu vas avoir un soutien technique et administratif spécialisé. Alors nous, par exemple, lorsque je travaillais en trading house, en maison de commerce, nous, notre travail à nous, les négociants, c'est de vendre, pas de livrer, puis pas de se faire payer. OK? Tout ce qui est logistique est fait par un département logistique. À partir du moment où ma vente est faite, que mon dossier est complété, je vais le porter à la logistique. J'emporte une copie à la logistique qui m'avait déjà proposé un prix, un tarif pour l'expédition. Et comme on a vu dans le graphique précédent, elle va confirmer avec le transitaire l'expédition. Elle va renégocier le prix à la baisse. Et en même temps, une copie du dossier va au département finance, qui, elle, va s'assurer que la demande de lettre de crédit soit bien envoyée, qu'on reçoive le draft pour pouvoir l'analyser, pour être sûr qu'on est d'accord avec ça, pour que le paiement s'embranle en même temps que le transport. Le département responsable du transport va s'occuper de la documentation pour s'assurer que nous, en maison de commerce, que l'usine avec laquelle on va affaire nous donne les documents nécessaires. Si on fait de l'inspection, que l'inspection nous donne les documents nécessaires, que le département finance nous donne la facture nécessaire, et que si on a besoin d'un certificat d'origine, mais qu'on aille le chercher, qu'on l'obtienne, pour que tout notre ensemble de documents soit prêt et complet. Okay? Mais ce n'est pas le travail du négociant-vendeur. Nous, on achète, on vend. Je me souviens, à un moment donné, j'ai acheté 8 camions de chou-fleur congelés en Angleterre pour vendre en Norvège. Je ne verrai jamais mon chou-fleur, je ne verrai jamais l'échantillon. Je ne verrai même pas les papiers financiers ni les papiers d'expédition de ça. J'ai trouvé un fournisseur, j'ai un client qui voulait, je lui ai proposé, on a négocié le prix. On a négocié sur des aspects techniques, la taille des fleurs, des éléments, la taille des queues, des éléments comme ça, l'emballage, la quantité, la qualité, tout ça. Puis une fois que c'est fait, qu'on s'entend là-dessus, puis que j'ai un profit à les calculer, hop, je le donne à la finance et à la logistique. Ça, c'est à condition qu'on ait le volume qui justifie ce genre de choses-là. Alors, normalement, dans ce que vous faites, vous, bien, à l'interne, l'approvisionnement va représenter mes ressources à transformer. Alors, si je suis dans le granit, ben, mon approvisionnement, ça va être d'aller chercher dans la carrière le granit dont j'ai besoin. Si c'est de l'eau en bouteille, ben, c'est d'ouvrir la champlure, de faire couler l'eau dans les bouteilles puis de remplir mes bouteilles. Le département marketing, ou si je fais aussi le marketing, ben, je vais bonifier mon site web, faire ma brochure ou le faire faire par un graphiste local, si j'ai ça, ou par mon neveu qui est au cégep en infographie, puis je vais me servir de lui. Pour ce qui est des ventes, si je n'ai pas de vendeur, puis que c'est moi qui fais ça moi-même, ben, vous comprendrez que je vais prendre une partie de mon temps pour m'occuper à générer ces ventes-là. Là, ce que je suis en train de vous expliquer, là, c'est que dans une grande entreprise, j'ai une ou des personnes qui font des ventes. J'ai une ou des personnes qui font du marketing, j'ai une ou des personnes qui font de l'approvisionnement. Ça, c'est pour la moyenne et la grande entreprise. Mais quand je suis une petite entreprise, là, ben, je fais l'approvisionnement moi-même. Je fais le marketing moi-même. C'est moi qui fais les ventes tout seul. C'est moi qui, quand j'ai le temps, rarement, je fais de la recherche et développement tout seul. Je vais superviser la production et les opérations. Je ne dis pas que je vais aller dans la carrière sortir le bloc, mais je vais superviser tout ça. Je vais m'occuper des finances. Alors, si j'ai une entreprise plus grande, je vais avoir un responsable pour les finances. Puis, responsable pour les finances, ce n'est pas nécessairement la technicienne comptable qui va rentrer les factures dans le système de comptabilité. C'est de voir comment on va développer les outils financiers, comme on a vu tout à l'heure dans les vidéos de DC, pour me permettre de répondre à ça. Alors, ça, ce n'est pas du travail de technicienne comptable, ce qu'on a vu tantôt. De comprendre ces outils-là. À l'international, la lettre de crédit, Standby Revolving, avec une garantie pour financer la production d'un produit qui va être exporté plus tard, avec Exportation Développement Canada, qui va augmenter ma marge à la banque, à condition que mon banquier le veuille.
tous ces éléments-là, ça, c'est un travail de finance. Alors, ma technicienne, mon technicien, ma technicienne comptable, elle ne fait pas ça. Non, pas du tout. La logistique, encore une fois, ben, puis cet aspect de finance, aujourd'hui, dans la plupart d'entre vous, c'est vous-même qui faites ça. Mais si ça grandit, à un moment donné, vous allez trouver quelqu'un qui va vous occuper de cet aspect de finance-là, une journée par semaine, 2 jours, 3 jours par mois, puis à un moment donné, peut-être plus parce que ça grandit. C'est ce qu'on souhaiterait, c'est que vos entreprises grandissent, créent de l'emploi, créent de l'emploi. Donc, engage un gars de marketing qui va travailler au début, une journée par semaine, après ça deux, puis après ça cinq, puis des affaires comme celle-là. La logistique, souvent, on va la donner à l'externe. On va engager une entreprise et on ne va pas payer un salaire de logisticien. L'entreprise de logistique nous prend une plus-value sur ce que ça coûte. Le container coûte à transporter 2 575 $, mais la compagnie maritime lui remet peut-être 400 $ pour ça. C'est comme ça qu'il se paye. Alors, il veut certainement que votre travail augmente parce qu'il ne veut pas faire 475 $ avec vous par mois. Il veut que vous le fassiez 10 fois par mois. Donc, ça ramène à l'entreprise de logistique 5 000 $. Il veut que vous grandissiez encore pour faire le double dans l'année prochaine. Ça va ramener à l'entreprise de logistique 10 000 $ par mois. Ben, c'est 120 000 $ par année brut. C'est ça qu'ils veulent, pas un container à 400 $. C'est clair. Nous, en maison de commerce, quand on travaille de cette manière-là, on a une espèce de grande salle avec des négociants, comme une salle de classe, avec des bureaux, des ordinateurs, des téléphones. On est tous là, comme dans un bureau de cambiste à la banque. On est au téléphone, puis au email, toute la journée, on fait des offres, on reçoit des propositions, comme on a vu avec les vidéos de maison de commerce qu'on a vues par le passé. Et je vous expliquais tantôt qu'il y a un département, ils sont plusieurs, ils font la logistique, il y a un département, plusieurs, ils font le financement des opérations. Mais on ne vend pas un container par mois, on vend 10, 20 containers par jour. Là, ça fait nécessaire d'avoir des employés qui font ça, qu'on paye à salaire annuel pour faire ce type de travail. Moi, je me souviens en logistique, quand je travaillais chez Namtrade à Pointe-Claire, ça veut dire en 91 probablement, ben mon gars de logistique, il faisait 55 000 $ par année pour faire ça. Il était assez que nous autres, je ne me souviens pas de son nom. C'est fou, hein? Mais lui nous sortait nos cotations, tout ça, puis chaque fois qu'on avait une expédition, qu'on faisait une vente, puis il confirmait l'expédition, puis il s'occupait de tout le suivi, tous les documents. Les filles derrière faisaient la documentation, puis les gars de comptabilité faisaient tout ce qui était l'aspect financier. Alors, même chose, logistique expédition, ça peut être le même team. Entreposage, si nécessaire, ben d'habitude, c'est souvent à l'externe. L'administration de tout ça, ben aujourd'hui, c'est vous parce que vous faites l'administration, vous faites les ventes, vous faites le marketing, vous faites la recherche et développement, vous supervisez les opérations, vous êtes responsable de la finance. Vous laissez probablement à l'externe, j'imagine, vous ne chauffez pas le camion, fait que la logistique d'expédition, c'est ailleurs, le posage, c'est ailleurs. La gestion des ressources humaines, bien là, aujourd'hui, c'est votre gestion de vous-même ou de votre associé, où vous n'êtes pas d'État, là, vous êtes juste quelques-uns. Ce n'est pas une grosse chose au départ, mais à un moment donné, ça va augmenter. Si ça augmentait avec un certain rythme, bien, vous devriez vous engager un directeur général qui va superviser tout ça pour vous, alors que vous allez vous consacrer. Je ne sais pas, moi, au développement des nouveaux marchés, et puis prendre votre jet privé, puis aller à Shanghai, Buenos Aires, puis Adélaïde, je sais pas, on s'amuse, on se voit dans 15 ans, là, on va être la reine du marbre ou le roi de l'ingénierie minière en Afrique. Enfin, vous comprenez que vous avez un but pour se rendre là. Mais j'essaie de prendre ce qu'on a vu tout à l'heure de la transaction et de l'éclater au sein de l'entreprise elle-même, ce que ça représente en termes de. Aujourd'hui, vous êtes multitâche, multicompétence. Vous faites tout ça. Dans une grande entreprise, le gars des ventes fait juste des ventes. Puis le gars marketing fait juste du marketing. Puis il va travailler avec le gars des ventes pour faire le marketing des ventes du gars des ventes. Puis il va répondre à un directeur général qui va leur expliquer dans quelle direction on s'en va parce que le conseil d'administration a décidé ça. Mais aujourd'hui, vous êtes le président, vous êtes le conseil d'administration, vous êtes le directeur général, vous êtes les ventes, vous êtes le marketing, vous êtes l'ensemble de tout ça. Évidemment,
Ça, c'est au sein même de l'entreprise à l'interne, mais à l'externe, parce que vous travaillez avec toute une panoplie de gens à l'externe, vos fournisseurs d'intrants, les distributeurs que vous avez recrutés à l'étranger, peut-être la maison de commerce, parce qu'on en a parlé, peut-être que c'est une solution parfois pour amener votre produit sur un autre marché, de travailler avec une maison de commerce, on a abordé ça déjà, de travailler avec des agents, avec d'autres partenaires d'affaires. Ce sont des éléments à l'externe. L'institution financière ou les institutions financières avec lesquelles vous travaillez sont aussi à l'externe. Alors là, c'est important de comprendre que, par exemple, j'ai déjà mentionné ça, si je travaille avec localement, avec ma caisse populaire dans ma ville ou mon village, et que je travaille à l'international, puis que je travaille à la Chine. Ben, en Chine, la Scotia est particulièrement bonne. La Scotia, elle a des bureaux en Chine. Desjardins n'a pas de bureau en Chine. C'est pas bon, Desjardins, c'est pas ça, là. Puis, tout le respect que je dois à nos banquiers qu'on a eus, mais la Scotia, elle a pavillon sur rue en Chine, comme elle a pavillon sur rue, je ne voudrais pas me tromper, là, mais au Brésil, la Banque Royale a pavillon sur rue au Brésil. Alors, des fois, dépendamment de ma stratégie, je vais travailler avec plusieurs institutions financières. Je peux garder mon local avec Desjardins, c'est pas un problème. Puis je peux faire mon international avec National, avec Scotia. Puis même, je peux diversifier. Je peux donner le Mexique à la Nationale, puis donner la Chine, quand je serai rendu là, à la Scotia, par exemple. Okay? Donc, ça me donne plusieurs intervenants externes avec lesquels je dois composer. C'est pas le cas aujourd'hui parce qu'on n'est pas à ce stade-là. Mais j'essaie de vous faire comprendre que, à mesure que je grandis et que mon besoin de service va varier, il se peut que mon institution financière avec laquelle je fais affaire aujourd'hui ne soit pas le meilleur joueur pour répondre avec moi de manière adéquate à mon augmentation de besoins précis. Alors, à ce moment-là, il faut que j'apprenne à les faire compétitionner. Et vous verriez comment c'est intéressant. Lorsque votre plan est prêt, le plan dont on a parlé au début, le plan de votre affaire internationale, ben, vous allez porter ce plan à votre institution financière habituelle. Puis pour l'exemple, admettons que c'est Desjardins, ben, je vous invite à prendre le plan et d'aller au centre d'affaires de la Nationale, la centre d'affaires de Scotia. Vous allez leur dire, qu'est-ce que toi tu me proposes? Puis leur laisser ça dans les mains, puis retourner les voir la semaine d'après, et vous allez voir que les propositions que vous allez obtenir des trois vont être différentes. Je ne sais pas lequel est le meilleur, lequel est le moins bon, c'est pas ça que je veux. Mais vous allez avoir des taux différents, des types de services différents, des supports à l'interne qui vous seront offerts de manière différente, des garanties qui vous seront demandées différentes. Il y en a qui vont être plus sensibles à l'offre d'appui d'exportation développement Canada et d'autres qui vont être rébarbatifs peut-être à utiliser ce genre d'outils-là. Okay? Moi, je prendrais mes trois offres, là, mes deux offres supplémentaires, et je retournerai à mon institution financière auquel je suis habitué. Je dirais, regarde, la Scotia m'offre ça. La Nationale m'offre ça. Toi, qu'est-ce que tu peux faire de mieux? Et ça, c'est bon, ça. Là, vous allez challenger votre institution financière avec habituelle. En ayant fait la comparaison avec les autres en disant tu peux faire mieux, parce que oui, ils peuvent faire mieux. Mais si on ne les challenge pas, ils ne le font pas. Alors, on peut imaginer faire ça. Vous allez apprendre aussi à travailler avec vos assureurs. Vous pouvez prendre, sans poser de questions, l'assurance qui est offerte par votre transitaire. Mais vous pouvez souscrire directement à vos assurances pour le transport maritime, etc. Chez des courtiers d'assurance, je pense, là je ne voudrais pas me tromper, BF Lorenzetti, vous pouvez noter ça, BF Lorenzetti, Lorenzetti, ça s'écrit comment ça se prononce, Lorenzetti. Puis j'en aurai un autre, donnez-moi une seconde, je vais vous en suggérer un autre. Benoît Couillard, ah, voilà, Assurance CM. Alors, le site web, c'est cminter.com. OK? Spécialiste en assurance tout genre à l'international. Assurance CM, cminter.com.
le premier responsable, le président Benoît Couillard, un ami, bien sûr, que je connais depuis des années, qui intervient aussi dans mes cours quand je lui demande. Appelez-le. Challengez votre transitaire. Vous allez voir une énorme différence entre le prix de votre transitaire et le prix d'une compagnie d'assurance. Énorme. Énorme comme dans... Je ne suis pas au bout de vos surprises. Parce que le transitaire, il a de l'argent là-dessus. Tandis que l'assureur, lui, il vous vend l'assurance. Moi, j'ai vu une assurance de 400$ être vendue 1000$. Ouf! C'est beaucoup. Des fois, on est en situation, on ne peut pas dire un mot, là. Mais c'est pour ça que je vous suggère peut-être de comprendre que ces services à l'externe, des fois, il faut les challenger. Alors, si l'assurance vaut 400$ chez CM et que votre transitaire vous charge 1000$, bien, moi, je montrerai mon transitaire, je dis, regarde, là, la même assurance, là, chez CM est 400$. 400 à 1000, c'est quoi le problème, là? Pourquoi 600$? Je veux bien que tu fasses de l'argent, je n'ai pas d'objection. Tu aurais coûté 400, tu m'aurais chargé 500, je l'aurais pris. Mais 400 à 1000, je trouve ça un peu difficile. Et ça vous donne un peu le ton sur le transitaire avec lequel vous travaillez. Je ne dis pas qu'ils font tout ça, là. Ce que j'essaie de dire, c'est que ben, quand je gère tout ça, quand j'ai le temps de le faire, si je fais tout comme on a vu à l'interne, je ne suis pas capable de faire ça. Mais si j'ai le moyen de le faire, je vais être capable de sauver sur mes coûts et de faire plus. Bon, on a parlé d'avocat. Moi, je ne suis pas un fervent utilisateur d'avocat. Mais souvent, dans un contrat, pour que le contrat soit bien fait, il faut que le contrat soit bien fait pour éviter les surprises. C'est essentiel. Peut-être au début, dans les premières transactions, oui, je demanderai un avocat spécialisé. Pas celui qui est responsable de votre dernier divorce, là. Il n'est pas capable de faire ça. Il ne connaît pas ça. Il va vous dire que oui, mais c'est pas sa spécialité. Ça me prend donc un avocat spécialisé en commerce international qui connaît le marché dans lequel je vais opérer, qui va être capable de me donner des suggestions. Ça va me coûter de l'argent. Mais je vais avoir un contrat qui va me limiter mon exposition au risque. Ah oui, il faut... j'économise pas sur un avocat. Il faut... Ça prend quelque chose de solide. Évidemment, si je fais une expédition une fois d'une série de blocs de granit, je ne vais pas aller chercher un avocat pour ça. Mon contrat, c'est la lettre de crédit puis ma facture. Je n'ai pas besoin de ça. Mais si j'offre de l'ingénierie à un gouvernement étranger, ben, j'ai besoin d'un contrat bien rédigé, bien solide, parce que ça, c'est de l'exportation de services. Et comment on évalue un service? C'est un peu subjectif. Alors, il faut que j'ai un contrat dans lequel la résolution de disputes ne se fasse pas au Mali. Bien, idéalement, peut-être à Montréal, mais peut-être à Paris, entre les deux, comme ça, les deux ont d'être boursiers pour aller faire la résolution de difficultés à un endroit neutre. Si je fais affaire avec le Mali, je vends des services au Mali, que j'ai un contrat en difficulté au Mali, je ne veux pas passer dans une cour malienne, parce que vous comprendrez que le juge de la cour malienne, bien, il est chum du gars qui me conteste. Si je m'en vais à Paris, bien, il ne devrait pas être chum avec le Malien, ni être chum avec moi, donc il devrait être impartial. Évidemment, s'il m'arrive une malienne, là, j'ai un problème. Je ne vous posais pas de questions aujourd'hui, hein? Je ne dis pas un mot, j'ai pas de main qui se lève. Que vous étiez encore là? Médias, expéditions, entreposage à l'extérieur, et évidemment, la participation aux associations d'affaires, aux ORPEX et le support gouvernemental sont autant d'éléments à considérer dans tout ça. Alors, je vous ai présenté des façons de faire, des façons de voir. On a parlé du support du gouvernement du Québec. On a parlé du support du gouvernement fédéral. On a parlé de votre ORPEX régional et des autres. On a parlé du Club Agro-Export, qui est un outil extraordinaire lorsqu'on travaille à l'international. On a parlé de tous ces éléments-là. Alors là, vous voyez l'ensemble des endroits où vous devez agir ou interagir. Ça fait beaucoup, ça. Je ne sais pas si vous aviez vu votre charge aussi détaillée que ça, mais là, c'est tous les endroits où je dois m'impliquer à un moment ou à un autre. Mais là, c'est un peu plus compliqué que de vouloir vendre un client étranger. Si vous
Si je regarde mes points d'intérêt là-dedans, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 30. J'ai 30 champs de préoccupation en tant qu'entrepreneur lorsque je veux faire du commerce extérieur. 30 qui se rajoutent à ma tâche habituelle. C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est pas impossible, c'est pas inaccessible, mais il faut prendre ça en considération. Il faut se rendre compte de l'énormité de la tâche auquel on fait face. Alors, un des éléments auxquels je veux revenir, c'est que vous avez bien compris, bien saisi, depuis le début qu'on a commencé à discuter de ça. Oui, Frédéric. Question. Oui, est-ce qu'on va être mûr pour une pause bientôt avant que tu poursuives plus loin? On peut prendre une pause, bien sûr, mais oui, pourquoi pas. Oui, oui. Bon, vas-y, Gourde. On va se dégourdir un peu. On prend une quinzaine de minutes et après ça, on va tendre vers la fin. Hein? Ça ne devrait pas être trop long. Alors, on se revoit dans 15 minutes. On arrive à la fin. On vient de voir, je reviens à mon cercle d'un instant, ceci. On a vu les activités à l'interne, les activités qu'on trouve à l'externe. On a assemblé tout ça. Dans une grande entreprise, ce que je vous explique, c'est que j'ai un responsable marketing international, j'ai des gens aux ventes, j'ai des gens à la logistique, j'ai des gens à l'approvisionnement, puis j'ai tout un ensemble de gens administratifs. Aujourd'hui, dans la plupart de vos cas, vous faites tout. C'est le propre d'être un entrepreneur. Tu sais, on nettoie même la machine à café. Je ne l'ai pas mis dans les tâches-là, ce n'est pas nécessaire. Alors, le travail que vous faites est un travail de plus en plus complexe lorsqu'on veut aller à l'international. Alors, on a vu ensemble l'importance de s'auto-analyser, l'importance de mettre ça par écrit sous forme d'un plan. Je ne sais pas où vous en êtes avec ça. C'est un élément important à amener parce que, on l'a dit tout à l'heure, c'est un document avec lequel vous allez communiquer autour de vous pour avoir de l'appui gouvernemental, pour sensibiliser votre banquier à vous appuyer d'une manière plus soutenue, pour peut-être appliquer un plan d'appui provincial, fédéral ou autre, pour sensibiliser votre transitaire à votre expansion que vous voulez réaliser internationale et obtenir de sa part une meilleure collaboration, etc., etc., etc. On a vu l'importance de comprendre un marché dans lequel on veut commencer par percer. Alors, depuis le début où vous vouliez faire beaucoup de choses en même temps, j'ai essayé de vous ramener à vous concentrer sur un marché, obtenir des résultats, d'aller chercher un autre, puis peut-être d'aller chercher dans moins compliqué. Si c'est bon, hein? Je vous ai suggéré manquant de glamour d'aller en Ontario, peut-être que c'est suffisant pour prendre de l'expansion. Parce que le but premier de ce qu'on veut faire, c'est de faire plus de bénéfices, de faire plus de ventes, puis de grossir, d'engager des gens. Et si j'ai de l'opportunité qui me vient chinoise, bien, je ne vais pas la refuser non plus. Mais de se concentrer pour aller développer à la mesure de mes moyens et de croître, donc année après année, pour grandir tranquillement, et pouvoir déléguer à un certain moment donné de plus en plus aux autres. Et l'ayant fait vous-même dans les premières années du développement du commerce international, quand vous engagez une compétence à temps plein ou temps partiel, vous comprendrez très bien le travail qu'ils ont à réaliser parce que vous l'avez fait vous-même. Ça devient plus facile. Alors qu'on fasse de l'eau, qu'on fasse du service d'ingénierie, qu'on fasse des tartinades ou du chocolat, qu'importe, on va maîtriser ça au départ, puis on va arriver à un moment donné, on va être capable de déléguer un peu plus. On a appris ensemble l'importance donc de comprendre un marché plus qu'une série de marchés, d'aller chercher le meilleur résultat, de développer une stratégie pour pénétrer cet endroit-là, que ce soit avec des distributeurs, avec des agents, par de la vente directe,
part du catalogue en ligne, si ça peut être pertinent, et de le vendre de cette manière-là, en faisant une action marketing, en se servant de Facebook, par exemple, pour vendre nos tartinades sur le marché de New York, si c'est ça qu'on choisissait de faire. On a ensemble aussi compris l'importance de la compréhension des aspects de logistique pour pouvoir mieux travailler avec son transitaire. On ne va pas se mettre à la place du transitaire, mais on comprend mieux les services qu'ils peuvent nous offrir et je vous ai expliqué aussi comment on négocie avec le transitaire. On a visité un entrepôt de logistique sur la rive sud. On est allé à l'intérieur même de l'entrepôt dans la partie live. C'est intéressant. Vraiment, j'ai trouvé ça le fun de vous amener ça de cette manière-là. Comme on s'est déplacé au centre-ville dans un bureau d'avocat au 28e étage avec vue sur la ville, pour comprendre l'importance aussi de nos aspects juridiques, contractuels, pour qu'on fasse un travail mieux structuré avec nos clients, puis qu'on encadre ça de manière plus sécuritaire. On a évidemment été, on a eu en visite deux banquiers qui nous ont expliqué la panoplie de services et qui nous ont donné comme mot d'ordre de ne pas vous substituer au département international de la banque, mais de référer à eux en tant que partenaire. D'où le plan qu'on peut partager avec une autre institution financière, d'autres institutions financières pour les faire compétitionner, pour avoir le meilleur service. Et parfois, mon service local est très bien avec une institution et mon service international peut être avec une autre institution. Il n'y a pas de problème avec ça. Évidemment, l'institution locale va essayer de réagir un peu, mais le but, c'est qu'on fasse un meilleur résultat avec tout ça. Alors, on a touché à tous ces éléments-là ensemble. Moi, ce que j'aimerais entendre maintenant, tour à tour, c'est les sessions qu'on a faites ensemble, les 12 sessions qu'on a faites ensemble. Qu'est-ce que ça a changé pour vous du jour 1 jusqu'à aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé dans votre perception, dans votre volonté de faire ça différemment? Enfin, on peut imaginer ce qu'on veut. Alors, je vous remercie du fond du cœur du temps qu'on a passé ensemble. J'espère que vous allez continuer à me donner des nouvelles en temps opportun. Merci. Maintenant, Frédéric, j'ai demandé à mon collaborateur Michel d'aller chercher les vidéos.